parle d'un sujet qui concerne tout le monde. Et je l'ai déjà dit et je le répète, quand on parle de démocratie, personne ne nous dit ce sujet ne nous intéresse pas. Les gens nous disent on ne croit pas qu'on peut nous donner une place là-dedans, on n'y croit plus. Donc ça, c'est tout ce qui est la crise de confiance, la défiance vis-à-vis de tout, quoi, des institutions, des élus, des... Mais à partir du moment où on dit bah non, mais en fait, nous, on a envie de le faire avec vous, là, on voit que ça intéresse vraiment tout le monde. Mais en fait, là, on l'a joué à fond, la carte de la transparence. Il y a des preuves comme ça qu'on a apportées. Donc déjà, bon, vous avez vu, hein, Charles, vous avez entendu son discours. Charles Fournier, c'est quelqu'un qui est sincère, qui est complètement au service de l'intérêt général. Et donc cette démarche-là qu'il porte, il la porte vraiment, c'est pas pour lui. Donc il ne roule pas pour sa bosse. Donc ça, c'est hyper important. Ça, donc ça se sent, ça se ressent. Donc les gens ont confiance. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement, avec la plateforme, de dire, bon, on discute entre nous et puis voyez, vous me faites une proposition, je la tape, elle remonte tout de suite sur la plateforme, elle est en ligne dans l'instant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un vrai gage de confiance, c'est-à-dire il n'y a pas de filtre. À aucun moment, il y a quelqu'un derrière qui va dire « Ah ben non, ça, attention, ça met en question la tête. » Non, on n'est pas là-dedans. Donc ça, on l'a fait et on a joué cette carte-là jusqu'au bout. Et puis, des trucs tout bêtes, des lives Facebook. On en a fait plus de 80. Ça aussi, c'est totalement transparent et c'est une vraie preuve qu'on a apportée. Et ça, ça fait partie, tu vois, des raisons aussi pour lesquelles les gens ont cru à la sincérité, enfin, qui est réelle, hein, mais en tout cas, ils ont adhéré à ça. On a expérimenté des panels tirés au sort qui ont élaboré des contributions. Ils se sont pris au jeu un truc de dingue. Vraiment, vous regarderez... On a vu plusieurs dans l'émission. Oui, vous les avez eu. Voilà, les c'est vraiment génial. C'est intéressant. On tiré au sort et qui aujourd'hui te parle de ça. Ah non, mais ça a éclairé. Enfin, ça a redonné de l'espoir, redonné de l'engagement. Ouais. C'est vraiment super. Et donc, de pouvoir systématiser cela aussi, c'est-à-dire que des panels citoyens, qu'on en ait d'autres, en fait, qui n'est pas uniquement sur cette expérimentation-là. Voilà. On a une question dans le chat de quelqu'un qui est jaloux parce que comment est-ce qu'on fait des trucs similaires dans nos régions parce qu'on n'habite pas tous dans le centre. Ah, bah du coup, il faut nous appeler. comment on fait? Oui, c'est ça. En fait, comment on fait? Il faut. Alors là, ça peut être mis en place par ce qu'on a fait exactement là, c'est avec une institution. Donc il faut que ta région, je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est Xan. Xan, je ne sais pas où tu habites, mais en tout cas, tu peux en parler à ton conseiller régional et puis lui donner l'exemple sur democratie-permanente.fr. Il peut regarder les émissions d'Acropolis pour voir ce qu'on a fait, nous contacter. Et puis voilà, après, on en parle. Et évidemment que ça, c'est. Alors c'est ce qu'on disait, on m'a posé la question aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on m'a dit, mais est-ce que ça, c'est exportable dans d'autres territoires? Donc la réponse, elle est à la fois oui, c'est-à-dire que oui, on peut expérimenter dans d'autres territoires, mais évidemment que ça va pas être. On n'est pas, nous, sur un format exportable copier-coller, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Non, ça se travaille avec un conseil. Et avec d'autres innovateurs démocratiques, ça fait partie, c'est la vocation de territoire hautement citoyen.